نروح الميكرو Essaye. Allô, c'est bon? Non, mais eux ils vont entendre parce que leurs micros sont là. Et nous on entend. Vous allez m'entendre. Ok. C'est ça. Ok. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je commence par saluer toute l'assistance et remercier les leaders du Front de Résistance Nationale pour la confiance qu'ils ont portée sur notre groupe, à savoir le groupe de plénipotentiaire de l'opposition au dialogue politique. L'objet de cet exercice, comme le ministre Mamadou Diop de Kouar l'a souligné tout à l'heure, c'est de donner notre point de vue sur le rapport provisoire produit par la mission d'audit du fichier électoral pour le compte de l'année 2021. Vous avez tous eu écho de la conclusion qui est sortie de ce rapport-là et qui consiste à dire que le fichier électoral ayant servi à l'élection présidentielle du 24 février 2019 est un fichier fiable et cohérent. Il faut dire d'emblée que nous nous inscrivons à faux contre une telle conclusion et je vais vous dire pourquoi nous avons une telle position par rapport à cette conclusion-là. Nous nous sommes basés sur deux éléments. D'une part, nous nous sommes basés sur la méthodologie qui a été employée par les experts commis pour faire cette audit-là et d'autre part, sur des informations qui sont contenues dans ce rapport-là. Pour rappel, l'opposition avait demandé à ce que cet audit se distingue des audits précédents parce qu'il devait être un audit sur pièce et sur place. Dans le passé, la plupart des audits qui ont été effectués au Sénégal ont été des audits plus ou moins informatiques d'une part et systémiques d'autre part. Systémiques pour apprécier l'ensemble du système qui intervient dans la constitution du fichier électoral. Mais cette fois-ci, étant donné que l'opposition, après avoir reçu ce fichier électoral et la carte électorale, a procédé à leur diagnostic, nous sommes allés au dialogue politique avec un ensemble de griefs que nous avions demandé aux auditeurs de nous confirmer le bien fondé de ces griefs-là. C'est pourquoi nous avions demandé qu'au-delà de l'audit informatique, que les auditeurs puissent apprécier la mémoire, les supports qui ont servi à la constitution de ce fichier-là. C'est pourquoi nous leur avions demandé d'aller à la base, de consulter les acteurs politiques qui interviennent au niveau des comités électoraux, mais également de fouiller les supports qui sont employés dans les commissions administratives auprès desquelles s'inscrivent les Sénégalais pour figurer sur les listes électorales. Sur la démarche méthodologique, si vous lisez le rapport qui est produit, vous vous rendrez compte que sur beaucoup de questions que l'opposition avait posées à l'équipe des experts, il n'y a pas eu de réponse. Ils n'ont pas procédé à un audit sur pièce et sur place. C'est pourquoi ils n'ont pas répondu au nombre anormalement élevé d'utilisation de certificats de résidence lors de l'inscription sur les listes électorales. Parce que l'opposition avait suspecté que ce fichier-là contient des électeurs qui ne sont pas des Sénégalais ou bien qui n'ont pas le droit d'être dans ce fichier-là parce qu'ils ont fait recours à des certificats de résidence qui ne respectent pas les critères définis par l'article L35 pour ce qui concerne la résidence électorale. Parce qu'ils n'ont pas fait au nœud sur pièce et sur place, c'est pourquoi lorsque nous leur avons posé cette question-là, ils n'ont pas apporté la réponse sur les 515 645
électeurs qui sont dans le fichier électoral sur la base de certificat de résidence qui ne respectent pas les critères de l'article L36 du code électoral. C'est pourquoi également, ils n'ont pas apporté de réponse. Lorsque nous leur avons demandé si la carte électorale ayant servi à l'organisation de ces élections respectait les articles L65 et L66 du code électoral. Je vais m'en arrêter sur la carte électorale. Parce que vous avez d'une part les électeurs qui sont dans le fichier électoral et d'autre part la carte électorale qui est le contenant du fichier électoral. Qu'est-ce que nous avons remarqué lors